succès pour votre journal des sports. Clément, c'est à vous. Merci. Au sommaire du journal des sports, du basket, 17e journée du championnat de France de Pro A, Poitiers rencontrait Chalon sur le parquet Bourguignon, un match serré qui a finalement vu Poitiers s'incliner 83-65. Nous prendrons également des nouvelles de Jean-Jacques Gauthier, toujours en tête de la Bouvée Guyane 2012, la traversée à la rame de l'Atlantique entre la Guyane et Dakar au Sénégal. Nous irons à la rencontre de l'équipe qui le suit au quotidien depuis le QG de Niort. Et avec notre invité ce dimanche, Brian Joubert, nous reviendrons sur sa contre-performance au championnat d'Europe de Sheffield, 8e au classement, et il nous dira comment il se prépare pour les championnats du monde à Nice, fin mars, début avril. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la page sport de ce dimanche soir. L'actualité sportive réduite en raison des chutes de neige sur la région. Les rencontres de football et de rugby ont toutes été annulées ce week-end. Les championnats régionaux de cross-country de Cognac également. Et ils ont été repoussés à dimanche prochain, dimanche 12 février. En notre compagnie, pour passer en revue l'actualité sportive du week-end, le patineur pictave Brian Joubert. Bonsoir Brian et merci d'être avec nous ce soir. Vous rentrez des championnats d'Europe de Sheffield avec une 8e place, loin de celle que vous visiez notamment à cause de ce programme court. Quelle analyse faites-vous de votre performance à Sheffield? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En fait, le gros souci, ça a été la gestion du stress. Je suis arrivé là-bas, j'étais plutôt confiant, j'étais plutôt bien, la préparation s'était bien passée. Et le jour du programme court, ça a été catastrophe. Je ne mettais plus un pied devant l'autre. J'ai douté tout le long de la compétition et je me suis battu au maximum pour le livre. Mais je pense que... On voit quelques images de votre programme libre là à l'instant. Le libre, je suis assez satisfait parce que je me suis bien battu. J'ai tenté deux quadruples sauts. Par contre, voilà, le programme court, ça a été, je crois, le pire programme court de ma carrière. Mais voilà. J'apprends quand même si je suis plus en fin de carrière, j'ai une certaine expérience, j'ai besoin d'apprendre et je pense que j'ai besoin de plus travailler pour me sentir encore plus confiant. Justement, c'est là-dessus que vous allez, sur quoi exactement allez-vous vous focaliser justement pour la préparation des championnats du monde à partir du 26 mars prochain à Nice? Qu'est-ce qui vous devez modifier? Déjà, je précise, au championnat d'Europe, c'était ma première compétition internationale, donc c'est la première fois que je fais ça, donc je pense qu'aussi ça m'a un peu déstabilisé. Et là, au championnat du monde, ça sera différent parce que j'aurai un peu plus d'expérience. Mais je vais surtout accentuer mon travail sur la technique et avoir une meilleure qualité et me sentir plus confiant. Alors justement, vous avez parlé à l'instant de la différence entre le programme court et libre. Vous étiez rattrapé dans le programme libre. Qu'est-ce qui a changé de l'un à l'autre? Alors déjà, le programme libre est un programme qui est plus dur physiquement, mais qui est beaucoup plus facile mentalement. Parce que le programme court, c'est on n'a que trois éléments de saut à faire, mais s'il y a une erreur, on perd la compétition. D'accord. Donc mentalement, c'est beaucoup plus difficile. Et Anis, vous visez quel résultat rapidement? Rapidement, deux bonnes performances, voilà. Mais une médaille, ça serait fabuleux. Alors des championnats du monde que l'on suivra bien sûr dans ce journal des sports. Alors également dans l'actualité sportive de ce week-end, ce résultat de volleyball en 18e journée de Ligue A. Poitiers s'est incliné face à Montpellier 3-7-1 hier soir dans l'Hérault. Et puis autre résultat toujours en basket, 17e journée du championnat de France de Pro A. Chalon recevait Poitiers hier soir. Poitiers s'est incliné dans la douleur 83-65. Le reportage en Bourgogne de Stéphane Robert et Daniel Vaccin. Passer à l'offensive le plus vite possible. Poitiers en bleu ne se fait pas prier pour bousculer Chalon fébrile en début de match. Poitiers complètement à son avantage sous l'impulsion d'un Pape Badiane, maillot numéro 7, très actif dans la raquette. Poitiers mène alors de 3 points et joue son va-tout. Cette interception d'Antonio Grant en est une nouvelle preuve. Le numéro 20 est à l'origine de l'action. Il sera à la finition, Poitiers mène de 10 points, 23-13 au bout de 10 minutes. Mais l'élan peut notamment compter sur son banc de touche. Geoffrey Lauvergne, du haut de ses 20 ans, fait parler sa puissance. Et au courage, les Chalonnais reviennent au score. Chalon passe devant à la mi-temps, 38-32. On va avoir un gros problème sur les matchs retour, c'est que les équipes qui sont mal classées, chez nous, n'auront rien à perdre. Donc on a vu ce qu'ils faisaient sur les deux premiers cartons, une adresse assez insolente. Ils jouent leur va-tout, ils jouent. Et ce soir, si on n'a pas l'apport de bonnes touches pour les user, pour les laminer, on ne fait pas la différence comme on a fait.
En seconde période, Poitiers continue d'opposer de la résistance à son adversaire, mais c'est bien Chalon qui prend le jeu à son compte. Malcolm Delaney tire ses coéquipiers vers le haut en réussissant une très très belle prestation avec 32 points inscrits dans ce match. Chalon finit par l'emporter, 83-65 score final. C'est une équipe qui joue bien, on a fait un bon match, voilà, on a manqué un peu d'adresse sur certaines séquences. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup d'agressivité défensive, ont été en place. Maintenant, c'est vrai qu'avec un ou deux shoots ouverts qu'on aurait pu mettre, ça aurait pu changer la donne un peu. Mais on fait une bonne prestation ce soir, même si à la fin il y a 20 points, mais contre une des équipes qui est dans les trois premières du championnat. Avec la défaite de Nancy, Chalon conforte sa deuxième place au classement de Pro A. Ryan Joubert, le basket, sport collectif, votre discipline en revanche, le patinage est un sport plutôt de solitaire. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, si vous n'aviez pas fait de patinage, vous voir évoluer dans un sport collectif ? Bon, je pense que oui, parce que même si c'est un sport individuel, le patinage, ben, y a une équipe quand même. Il y a l'entraîneur, il y a le chorégraphe, il y a le manager. Et puis c'est une équipe de France, donc il y a l'esprit d'équipe avant tout. Mais après, quand on est sur piste, on est tout seul. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien tenter le couple, et là pareil c'est une autre discipline. À quel horizon tenter le couple? Je sais pas, pour les prochaines années à venir, j'aimerais bien tenter ça. Très bien, alors autre résultat sportif en basket, 19e journée de National 1 masculine, Cognac a battu Chartres, 80 féminine, 15e journée, Angoulême a battu Octeville, 27-26. On revient vers vous, Brian Joubert, pour évoquer un pan plus personnel de votre carrière sportive. Il y a une personne qui vous suit depuis votre première médaille européenne à Lausanne en 2002, c'est votre mère, Raymonde. Elle était présente à Sheffield. Freddy Veto et Julien Delage l'ont rencontrée lors de votre programme court et ont recueilli ses impressions. Je vous propose de regarder ça. Je n'ai pas toujours trop bien compris pourquoi il insistait que je sois là dès les premiers entraînements. Je crois qu'il a besoin de me sentir là, il a besoin de me sentir proche. Je déteste l'entendre souffler comme ça avant un programme. Ça veut dire qu'il n'est pas détendu. Moi, je sais quand il est bien, il aime bien qu'on en parle après. Il me fait confiance. Voilà. Quand il est moins bien, c'est pareil. Donc là, on s'isole, on en discute, on dédramatise. Allez, hop. Allez. Oh ! Quand il y a des choses qui ne vont pas, il ne peut pas forcément le dire à son coach. Donc c'est moi qui suis un petit peu l'éponge, quoi. Certaines fois le punching ball, hein, quand ça ne va pas, aussi c'est moi qui prend. Et je suis avec. Hein. C'est un compétiteur. Il y a des bons côtés, mais aussi des mauvais. Il faut que je sache. Et je le sais. Bien trempé, hein, et pas toujours facile, pas toujours gérable. Mon Dieu. Il a passé une période, il était ingérable, pour moi ingérable, pour les coachs ingérable. Trop difficile, donc j'ai fait avec pendant cette période-là, qui commence à se gommer. Je pense qu'il a fait la crise d'ado un peu tard. Je tremble, moi je tremble pour lui. Oh mon pauvre. Ouais, il doit être déçu. Hein. C'est ça le sport, je suis déçu pour lui parce qu'il a fait des super entraînements, mais voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il a été hyper tendu. Pendant la diffusion du sujet, Brian, je vous voyais sourire à certaines réactions de votre mère. Est-ce que ce qu'elle nous a confié est fidèle à ce que vous avez ressenti à Sheffield ? Oui, comme elle le dit, c'est vrai que j'étais très tendu. Elle a l'habitude de me voir, en compétition, à l'entraînement, tous les jours. Elle me connaît très bien. Et c'est vrai que tout ce qu'elle a dit, c'est juste. Hein. Alors justement, comment est-ce que vous gérez le stress avant une compétition si importante ? J'ai pas de problème pour gérer le stress. En fait... Si, quand j'y arrive pas, c'est que
Je sens qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien pendant la préparation, peut-être que ce soit sur le plan physique, sur le plan technique. Donc quand je sens qu'il y a un petit grain de sable qui vient, ça me perturbe beaucoup. Et ça me perturbe le jour de la compétition. Merci beaucoup, Brian Joubert, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.